Hello tout le monde, c'est Asso! Aujourd'hui, on se retrouve pour le cinquième, épisode sur KSP. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. En fait, pour moi, c'est le quatrième épisode, mais j'ai décidé de couper l'épisode 3 et 4, qui était quand même vachement long. Alors, attends, pas que je te dise une connerie. Ouais, c'est bien ça. L'épisode 3, en fait, qui pour moi... faisait juste une heure et quelques minutes. J'ai décidé de couper ça en deux. Mais comme je suis pas un enfoiré, je vous ai mis les deux épisodes dans la même journée. Parce que voilà, c'était un petit peu ma faute. La prochaine fois pour une mission, on va faire selon si c'est très long, je vais couper au bon moment. Et je reprendrai pour un nouvel épisode. Voilà, tout simplement. Bien, en tout cas, dans le dernier épisode, voilà, comme ça je suis sûr de pas me planter, on a récupéré pas mal de science. On a 106 points, les amis, c'est plutôt pas mal. Retour dans notre arbre technologique. Alors, bien, je ne sais pas quoi prendre. Je suis un peu dans la merde. Pourquoi j'aimerais beaucoup débloquer ça, mais ça me coûte 45. Et les suivantes coûte 90. Ça m'enduit un tout petit peu parce que je sais pas quoi prendre. Alors ça c'est pour les navions. M'intéresse pas spécialement non plus. J'aimerais bien faire plus de science, donc ça me paraît pas mal. En plus de ça, je peux envoyer pas mal de données grâce aux batteries. Voilà, ce qui vont me permettre d'envoyer beaucoup plus de données via antenne. Exactement. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Voyons voir qu'est-ce qu'on a débloqué ensuite là. Des panneaux solaires. Oh ouais, ça c'est bueno mon pote. On a également débloqué des feux, des lumières si tu veux. Et il faut que je débloque le flight control. J'ai pas le choix. Si je veux débloquer ça un jour, il faut que je débloque le flight control. Bon, très bien. Des échelles, encore un peu plus de science, c'est magnifique. Un thermomètre également, ça c'est très bon ça. Et également des trucs pour poser ses fesses. Enfin des landing gear, des trains d'atterrissage si tu veux. Landing leg, un pied pour atterrir. Ok, très bien. Du coup, je suis obligé de débloquer ça au final. Non, damn it. Seriously. Ah. Bien, de toute façon, on n'a pas le choix, on va devoir le débloquer. Donc on va le faire maintenant. Et merci. Déverrouiller la technologie tiers 3. Eh ben merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est uniquement pour de l'avion, on s'en fout un peu. Oh! Oh! Là on débloque du RCS. Ouais! On débloque du Advanced Inlight Stabilizer. C'est très bien aussi ça. Ouais, il y a des choses intéressantes aussi là-dedans. C'est bien, c'est bien. Winglet de luxe, n'est-ce pas? Ah, ça c'est bien aussi. C'est un drone. On n'est pas obligé de mettre un pilote là-dedans. Et pourtant, votre vaisseau va quand même partir en orbite. Très bien pour les stations, ça, par exemple. Du moins, pour les satellites, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal du tout, ça. Ok, très bien. Bon, bah du coup, on a plus de science, les amis. C'est la merde. Bon, c'est pas grave. On va rapidement... Alors, si, on va retourner rapidement là-dedans et on va visiter les sciences, les archives, en fait. Alors, au niveau du Sun, au niveau du Soleil... Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on s'était mis en orbite autour de Kerbal, qui est le soleil de ce système. Voilà. On avait fait quoi? Bah déjà, on a récupéré notre vaisseau. En retour du soleil, qui nous a rapporté 32 de science. C'est très bien, ça. Un Mystery Goo également, un EVA et un Crew Report. Très bien. Kerbin, on a fait énormément de choses. Ouais, on a fait même beaucoup de trucs. Alors, Moon, rappelle-moi, on a fait quoi? Un crew report près et loin. On a fait un seul EVA, puisque je n'ai pas pu envoyer le reste des données. On a fait proche et loin, et on a également récupéré notre vaisseau. On n'est pas allé sur Minmus encore. Alors, on va faire ça. On va aller jeter un coup d'œil à Minmus cette fois-ci. On va mettre quelques petites modifications sur la fusée, je le dirai tout le temps, qu'on a actuellement. Alors, on va rouvrir notre... Asperge. Bien, très bien. La musique est peut-être un petit peu forte, c'est pas grave, je m'arrangerai au montage, hein, comme d'hab. C'est pas un souci. Alors, il y a des trucs qu'il faut qu'on rajoute, les loulous, là. Alors déjà, on va monter un petit peu d'un étage, là. On va rajouter ici notre module de science qu'on vient d'acquérir, qui est celui-là, fantastique.
On va changer l'antenne également. On va mettre une antenne un peu plus costaud. À savoir 2 mégabits 06 08. Oh. What in the freak? Ce qui est bizarre, c'est qu'on a débloqué cette antenne là, mais qui est quand même vachement moins bien que celle-ci. En fait, celle-là, elle est meilleure. Bah ouais, parce que packet size c'est le même, sauf que la bande passante c'est 0,6 mégabits seconde. Ouais, on va dire ça. Et là, 0,8. Donc on a une meilleure bande passante avec ça. Et en plus de ça, ça bouffe moins d'énergie. Alors, je ne saurais pas expliquer, les amis. En tout cas, on va garder ça. Hein. Alors, on va rajouter de la batterie parce que maintenant, on peut. Alors, on va zoomer un petit peu là. Bueno. On peut rajouter de la batterie là, remarquez. Ouais, c'est pas trop un problème en soi. Hop. On va s'en mettre une petite également ici. On va s'en mettre encore une petite juste là. Très bien. Alors, il faut savoir que ça, c'est un module de science, ok, qui est utilisable qu'une seule fois. Et par contre, il faut absolument que je sorte ces données une fois qu'elles sont là. Donc il va falloir que je fasse un EVA et que j'aille récupérer ces données et que je les ramène ensuite dans mon pod. Got it? Ouais, moi aussi. Pas de problème. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien là? Des ailerons, ok, des connecteurs, blablabla. Winglet. Lift rating. On a un meilleur lift avec ça. Oh bah tu m'étonnes mon pote qu'on a un meilleur lift avec ça. T'as vu la taille du truc toi? Bon, très bien. Ok, bah alors attends, on va remplacer ça alors du coup. Hop. Par combien? Par 6, hein, c'était ça? Ouais, c'était ça je crois. Alors on va remplacer également ceci qu'on va mettre un petit peu plus haut parce que sinon ça va peut-être un peu... voilà, même si ça va pas merdouiller le truc, hein, on est d'accord. Mais c'est histoire de... là c'est bien ok, je vérifie parce que la dernière fois on a failli se faire avoir mais ce n'était pas le cas parce qu'on est trop fort et parce qu'on l'a vu avant. Quoi d'autre? Oh! Pitch torque, yaw torque, roll torque. Uh-huh. 15 electric charge per minute. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que j'ai déjà pas assez d'énergie comme ça. Donc on va y aller mollo avec ce truc. Bon, remarquez, avec 3. Avec 3, on est bien. Hein. Ah, pareil, on a déjà un drone en fait. C'est déjà un drone ça. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le reste qui suit. On a un cockpit également. On va pouvoir commencer à faire des navions. Mais on n'a pas de train d'atterrissage, on n'a rien du tout. Donc pour l'instant, encore une fois, on va rester sur notre bien belle fusée. On va changer de nom. Qu'on va mettre comme ça. Ça me paraît bien. Il n'y a pas grand chose d'autre à modifier. Mis à part que bon, ma batterie, elle n'est pas tout à fait droite. Ah, Jesus Christ. Ouais, après, on va pas faire dans la dentelle non plus, voyez-vous. C'est bon, hein. Alors on a un centre de masse qui est pas droit, mais c'est normal, c'est parce que ma caméra non plus n'est pas droite. Alors attends, faudrait déplacer un peu le bordel par... Hop là, voilà. Voilà, peut-être un peu trop déplacé. Na. Là, regarde. What the freak? Il va pas non plus me le foutre dans la terre, le truc, espèce de cucu. Bah, qu'est-ce que tu me fabriques, là? No, seriously. Attends, on est bien, là, au moins? Bon, on est bien. Ouais, pas qu'il me fasse... qu'il me mette une couille dans le potage, le garçon, quand même. Alors, je peux pas déplacer la caméra. Why in the hell? Demi-tour? Ah, bah, tu vois, quand tu veux. Ça semble ok. J'en sais foutre rien, mais... Selon moi, ça semble ok. Peu importe, on s'en cogne, de toute façon. Ouais. Ça paraît bien. On a donc un module de science supplémentaire... on a des batteries, on a plein de choses pour envoyer la race de données. Techniquement, ça devrait le faire. Alors, rappelle-moi, au niveau de la batterie, on en est où? 81 tonnes, le truc? Oh, ça va, toi? La batterie fait combien? Dis-moi. 100! Alright, baby. On va abuser le truc. Parce que ça coûte rien, c'est pas cher.
en poids ni rien du tout. On va en mettre la race. Parce qu'on peut se le permettre. On s'en fout complètement. Voilà, bim. Là, on a de la batterie, mon pote. Donc on a là 600 de batterie en rab. vas-y, paye ton envoi de données, il y a pas de problème. Bien, launch. On n'aura pas passé trop de temps à la construction et à la création. Maintenant, il est l'heure d'orbiter notre bordel. Est-ce qu'il fait toujours encore nuit dans ce pays? Ouais, putain, sérieux là? Oh, ils sont pas drôles. Non, vraiment, vous êtes pas marrants. On s'en fout en même temps, j'ai envie de te dire. Alors, ok, SAS actif. Notre target est en Minmus cette fois-ci, les amis. Et on va décoller tout de suite. Allez, on est parti. Go! Il y a eu un bug. Vous avez vu le bug ou pas? Il y a des RCS qui se sont... Alors non, c'est pas des RCS autant pour moi, mais ce sont... Alors je sais pas ce que tu fous là, mon pote, mais je crois que tu t'es trompé de... Tu t'es trompé d'endroit, vois-tu? Donc on va... On peut faire un contrôle là? Ah ouais, contrôle pour récupérer tout le bordel. Ouais, voilà, là ça me paraît vachement mieux quand même. Qu'est-ce que tu m'as fabriqué? Alors on va quand même récapituler rapidement tout notre attirail là. Les deux là, on est d'accord. Toi, on est d'accord. Toi aussi. Toi aussi et toi aussi, très bien. Toi, ok. Toi, ok. Toi, ok. Et toi, ok. Et les deux sont là, parfait. Donc techniquement, c'est ok maintenant. Qu'est-ce que c'était que cette blague? Tu m'as fait une farce, hein, c'est ça, hein? Eh bah, ben, elle est pas drôle, ta farce, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est bon, ok, très bien. Là, on pète là, très bien, très bien, très bien. Ok, on resave et on est reparti. J'ai pas compris. Pourtant, la sauvegarde était faite, tout était ok. Je ne comprends pas, je ne saisis pas. On s'en fout, c'est pas important, voyons. Bref, allons-y. Moteur à fond, j'ai dit. Voilà, parfait. SAS actif. Eh bien, décollage, j'ai envie de vous dire. Ah, attends, est-ce que. Data size 25 mégabits. Oh. Alright. From Launchpad. Mm-hmm. 7.5 de science, qui est un petit peu ridicule. On va reset l'expérience et on fera notre expérience dans le ciel de Minmus. Et on pourra faire des essais d'ailleurs un petit peu accessoirement, voir où ça rapporte le plus ou moins. On est à fond, on est bien, on take off. Allez, on est parti. Ah bah c'est vachement mieux quand même là pour le coup. C'est un peu plus droite, mine de rien. Oh, regarde-moi ces winglets, mec, comme ça marche du feu de Dieu. C'est juste magnifique. Alors les ailettes là qui me donnent un petit smooth comme ça sur le truc. J'ai tourné très très peu et la fusée tourne déjà, c'est magnifique. C'est vraiment très bon. C'est fantastique. Donc là on met pleine puissance pendant un petit moment, le temps d'atteindre une certaine vitesse tout de même. On va bientôt larguer les deux premiers. Et chose faite, suivant. Encore une fois, vous pouvez voir hein, que le fuel se remet à niveau dans les autres différents containers, dans les fuel tanks, voilà. Et vous pouvez voir que ça baisse assez rapidement. Ouais, en effet, c'est pas grave. Donc on a déjà entamé un petit peu notre tournant vers l'est, comme vous pouvez le voir. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. On est extrêmement bien, les amis. On est extrêmement bien. Alors, on va attendre les 10 km. Je vais me mettre à 45 cette fois-ci. Proprement. Vas-y, couche, bébé, couche. Ok, ouais, grosso merdo, hein, on est bien. Ok, on largue. Wow, wow, wow. J'ai failli perdre le contrôle, dis donc. Mais heureusement, ces ailettes m'aident énormément. Très bien. On est bien, on enchaîne, on poursuit. Alors, on a passé un petit cap dans l'atmosphère, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais réduire un petit peu notre vitesse. Enfin, notre vitesse. Non, parce que la vitesse continue d'augmenter. Mais je baisse un petit peu les thrusters pour vraiment économiser un max de fuel. Voyons voir ce que ça donne au niveau de notre carte. Alors. Au niveau de la navball, on est bien, mais bien qu'on soit un petit peu trop
vers le bas, c'est pas très grave. On monte pas beaucoup, remarquez. On va remonter un petit peu le nose là. Je vais augmenter l'accélération à nouveau. Parce que là on est très très bas. Comme vous pouvez le voir, c'est pas ça qui fait office, mais c'est bien le prograde. Voilà, je n'avais plus le nom. Donc on va remonter le nez un tout petit peu. On va rebaisser notre vitesse. Au niveau du fuel, on est large, les loulous. C'est ça qui est génial. Avec cette technique et cette méthode de d'asperge. Je vais encore remonter le nez. Là, on est passé bientôt dans le troisième cap de l'atmosphère. Donc, encore une fois, on est plutôt pas mal là. J'accélère encore un peu. Juste histoire de reprendre une bonne trajectoire. Ok, là on est en orbite, on peut vraiment se faire plaisir, on peut y aller doucement. Fantastique. Voyons voir, au niveau de l'APOAPS, on est bien. Je vais m'arrêter à 100, ça paraît pas mal 100. Si toutefois je le peux. Hop, stop. Nice, add maneuver. Hop, et on a 108 et 100, ça va pas. Hop, 97, 100. Ouais, et on va pas... 100, 102. Ça me va. Je vais pas faire non plus. Tu vois ce que je veux dire. Très bien. On ferme notre map. On a notre point. On est ultra uber content. Bien. Comme vous pouvez le voir, on a fait encore mieux que la dernière fois, sachant que. On a encore une fusée quasiment pleine là. En fait, on a encore la fusée complètement pleine de là à de là. C'est parfait. C'est fantastique. Là, on peut se permettre encore une fois d'aller ultra loin. Si on a envie. Normalement, je devrais burn à 25. Je vais burn maintenant. Parce que je vais bouffer tout le fuel en fait. Et je vais recalculer en fonction de ce qu'il me reste. Alors, on va mettre doucement mon gros veau là. On va s'aligner correctement. Ok, on met pleine puissance. On va vider le bordel. Et on fera un recalcul juste derrière. Olé. Arrête-toi, mon cochon. Déjà parce que je suis pas droit, première chose. On a 1 minute 13 de burn. Faudrait que j'envoie maintenant, ouais. J'ai un peu merdé, bon c'est pas très très grave. Au pire des cas, encore une fois, l'ajustement est complètement possible. C'est pas vraiment un problème. Décidément, j'arriverai pas à faire une orbite propre, moi, c'est un truc de fou quand même. Ah, ça me plaît pas. Non, pourquoi? Parce qu'on est déjà 102 et ça va... Il va me faire nimp, je le sais déjà d'avance. Ah, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas là pour faire une orbite ultra propre pour l'instant. Ce sera fait une fois qu'on aura notre premier sat. Par contre, le satellite, lui, il sera sur une orbite vraiment parfaite. Ce sera vraiment beaucoup plus simple pour nous par la suite. Mais ouais, il va être sur une orbite vraiment excellente. Donc je ferai des modifs, etc., etc. On va faire un truc bien, quoi. Mais c'est plus tard. Donc là, on burn comme des oufs. Au niveau de la map, on commence vraiment à avoir un bon petit cercle là qui se profile. C'est très bien. Alors je ne suis absolument plus dans mon axe, c'est pas grave, détail, tu me diras. Hop ! On est bien, on s'arrête, 113 et 93, ridiculous, c'est pas grave, on s'en fout. Disons qu'on est bien, de toute façon en même temps, encore une fois, on n'est pas là pour ça. Hein. Bien, l'orbite, vous commencez à connaître, maintenant, notre cible est là, cette Astarget. On va... Alors là, on a déjà un truc un peu plus tricky-esque. Et vous savez ce que c'est? C'est le fait que déjà ce ne soit pas horizontal. Comme vous pouvez le voir, là on est sur notre... sur notre orbite. Et vous pouvez voir sur la ligne jaune qu'on n'est pas du tout à la même hauteur. Donc il va falloir qu'on s'arrange pour faire un nœud de manœuvre qui soit intéressant, j'allais dire, pour récupérer Minmus en fait. Donc on va se tenter un nœud un petit peu au pif. Je suis pas très bon, encore une fois, je vous le rappelle. Et on va augmenter. What the freak? Bien. Et on va commencer à tourner, chercher un petit peu. Ah! Alors.
C'est normal qu'il ne me le trouve plus parce que je ne suis plus dans le bon angle. Ok, dac. Alors, on va augmenter légèrement. Voilà, parfait. Alors, on va pas trop augmenter non plus parce que plus on augmente, plus on va devoir burn. Et c'est pas le but recherché, ok. On va quand même essayer de faire un truc un peu propre. Non, c'est dans l'autre sens, ça se... Bien, bien, bien. Alors, on va... Hop. Je tâtonne, hein, je tâtonne. On y va doucement. Waouh! On y va doucement et le mec, il comme une brutasse, quoi. Mais, putain, c'est n'importe quoi, je te jure. Hop. Non, 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 dans l'autre sens, ça se... Ok. Oh, damn it. Je suis sur une orbite de quoi, là, concrètement? Ah, soleil. Ouais, non. Je... non. Non, 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 ça va. Je te remercie. Ouais. Bien. Voilà, on va essayer de tourner, en fait. On va essayer de jouer avec l'angle. Non, faut... C'est comme ça. Ah, 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 ah. Je suis toujours encore sur un astre... sur un, une orbite solaire. M'intéresse pas. Merde. T'es sérieux, mon pote, là? Ah. Négatif, négatif, Houston. Ça ne va pas du tout. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre. Oh. Moon Encounter. Non, c'est pas ça qu'on cherche. Pas tout à fait, du moins. Pas pour cette fois. On va aller de l'autre côté, c'est pas très grave. Prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. 54 secondes de burn. On va augmenter notre. Oh, 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 on avait quelque chose là. Closest approche, 69 000. Non, ça ne va pas. Kirby Napoapsis, non plus. J'essaye, j'essaye. Hein. Vraiment, les amis, j'essaye de faire au mieux du mieux. Mais je... Hop, 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 hop. Attends voir, là. C'est tendu parce que, putain, on n'est pas du tout à la bonne... au bon angle, quoi. Non, c'est plus bas. Alors, rappelle-moi, on est nouveau sur un... Un truc solaire là? Fous-toi de ma gueule. Ma gueule? Oh 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 oh! Reviens voir mon chou? Yes papa! Minmus Encounter! Absolutely! Yes, c'est bon ça. On en est où alors? Alors attends. Ah, blablabla. 1 million! Non. Ah ah ah. Stop. Oh dur. Putain, on peut mieux faire là, c'est pas possible ça. On peut mieux faire, on peut mieux faire. Je sais qu'on peut mieux faire. Enfin, on l'a perdu. Parce que j'ai fait de la merde. En même temps, 1 million, c'était pas extrêmement top top quoi. Clac clac clac, très bien. Non. Yep. Ah, c'est mieux. On s'approche, on s'approche. On s'approche. 900 000, ok, on s'éloigne. Essaye encore à ça. 500 000, ah, ah. 700 000, ok, très bien. 1 million 2, ok, dac. Putain, t'es pas sérieux, mon pote. 500 000, ok, très bien. Voyons voir, est-ce qu'on peut sillon. Wow, tout doux, mec. $504.
700, ok. 504, essaye encore, ça. 1 million 3, putain, t'es pas sérieux. Ah, dur, je l'ai de nouveau perdu. 582, je sais pas si on arrivera à faire beaucoup mieux dans un premier temps. On a 56 secondes de fuel, de burn, hein, pardon. C'est pas énorme, énorme. Dans un certain sens. Ok, bon, vous savez quoi, je vais prendre ce point et je vais ajuster. Je vais réajuster après. C'est pas grave, c'est pas un souci. No big deal, no big deal. On va se mettre là. Et d'ailleurs, notre node est très bientôt. Donc heureusement qu'on a fini, j'allais dire, parce qu'on a quand même assez à burn. On a 26 secondes de burn. Non, faux. Pardon, 28 secondes de burn, autant pour moi. Très bien. Alors, on va se mettre en mode joli. Enfin, s'il veut bien fermer la carte. Ouais, très bien. Nice. 28 secondes de burn dans ce sens-là. Okidoki. J'espère que vous arrivez à suivre, les amis. Pour l'instant, c'est pas... pour l'instant, je galère juste un tout petit peu avec mon... avec le nœud, c'est tout. Mais à part ça, tout va bien. Sinon, ça roule. Ouais, non, les choses se passent plutôt correctement. Merde. Moi, je dis ça, je fais le con, et puis en même temps, j'oublie de burn. Na bravo. Na bravo. Et je suis bien en retard. Enfin, bien en retard, non, mais je suis quand même en retard. Du coup, ce sera moins parfait qu'avant. Encore plus moins parfait, t'as compris? Tu me suis, là, c'est un peu... Ah, peu importe. Ouais, en même temps, je sais pas si on a la meilleure encounter de la planète, là. Quand je dis de la planète, on se comprend, hein, c'est pas... Encore que... Oh, si, non, je vais devoir freiner comme un sac, là. Allez, bon, c'est pas grave. On s'arrangera. On s'arrangera toujours, de toute manière, c'est pas comme si le fuel nous manquait, tu vois, je veux dire. Encore que... De toute façon, c'est la plus grosse des manœuvres. Retourner sur la Terre, après, enfin, sur Kerbin, pardon, ce sera pas vraiment un gros, gros problème en soi, quoi. Ok, voyons voir à quoi ça ressemble. On valide le bordel. Et je n'ai absolument pas d'encounter. Fuck that shit. Damn it. Ah, 1008. Non. Putain, on a fait mieux avant. Merde, t'es chiant. 700 000, ouais, c'est pas mal. Peut mieux faire. 1 million 4, lui t'as craqué toi. Ouais, hop. 530 000, ouais, c'est bien ça. C'est bien. On va burn. Par là. Come on, baby. Non mais freine, oh là là mon dieu, qu'est-ce que je fais? Putain, je fais n'importe quoi. Ah, ça y est, on s'est foutu sur une orbite solaire. Un truc qu'on ne voulait absolument pas. Ah, damn it. Bon. Oh, no way. Je vais y arriver. À force de faire de la merde là, 1 million 1, putain. Ça y est, on est baisé là, 800 000. On est baisé total. Et je dois bien entendu aller dans l'autre sens, ce qui est normal. J'ai bien envie de lâcher ma grosse fusée là, mais j'ai un petit peu peur pour l'instant. Je fais nimp. Oh.
Oui, il est alors il est pas tard, mais enfin si pour moi il est tard parce que je me lève très tôt demain matin. Donc en même temps, le niveau de fatigue là, il est un petit peu pas alors pas à l'extrême parce que je suis encore relativement fit, mais disons comment te dire? Il est présent quoi, il est bien là. Donc WX. On n'y est toujours pas, hein. Bon. Ça, est-ce qu'on va faire? On va larguer le module. Bien. On va se mettre juste en mode mini réacteur comme ça, genre. Et on va se mettre un nœud. On va se mettre un nœud ici parce que je sens bien que là, au moins, on a un peu plus de marge de manœuvre. Kerbin Escape. Moon Encounter. Non, non, c'est pas la lune que je veux. T'as toujours pas compris? Wow. Hey. 500 000. Voilà, tu vois quand tu veux. On a quelques secondes de burn. Faudrait être extrêmement vigilant. Et là, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur parce que le nœud est vachement plus loin qu'avant. Donc, on va se mettre là. On va mettre une alarme. Add, hop. On a une seconde de burn, donc on peut mettre ça à 15 secondes. Comme ça, j'ai bien le temps de. Voilà. Pas trop mongoliser, n'est-ce pas? Allez! We can do it! Alors, le violet sur le comment dire, sur la navball étant en fait notre comment dire notre cible, notre target, voyez-vous, et concrètement déjà tu vas avancer un peu plus vite, voilà, très bien, et concrètement je pourrais viser en fait cette cible automatiquement et directement pour tenter une rencontre. Je sais pas si ça marche directement comme ça, honnêtement je ne saurais dire, mais en tout cas voilà quoi. Delete, close, on a vraiment une seconde à cramer, mais une seconde. Donc on va mettre ici à 0, tout simplement. Attention. Go. Stop. On valide. Yes, on a... Ouais. Ah. Eh bien, il était temps, j'ai envie de vous dire. Alors, on a un encounter à 500 000. Eh, franchement, on s'en sort pas trop mal, hein, sans déconner. Pour un burn, rien du tout. C'est génial. Ok, dac. Bien, maintenant qu'on a fait ça, comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah rien de spécial visiblement. On va attendre qu'on arrive ici, c'est-à-dire dans 26 jours. Je vais me mettre une alarme. Tac, tac, tac. Hop, 0 à 10 secondes avant l'encounter. Add alarme et on va mettre à fond. Youhou! Alors on a fait un sacré tour, hein, comme vous avez pu le voir. Bien, et là on va devoir freiner comme des sacs, je pense. Ah non, l'orbite, non, ça va en fait. Elle est relativement soft. Notre belle planète, la voici, Minmus, c'est juste magnifique. Alors, avant qu'on fasse quoi que ce soit, vas-y, mets-moi sur 0 vite fait. Parce que je vais juste retourner sur mon pad là rapidement, mon petit fichier texte. Minmus, 30 km. À 30 km. C'est relativement proche ça, mon pote, mine de rien, non? On est pas d'accord avec ça? Bon, c'est pas grave. Ok, delete, close. On a l'encounter dans 6, 5, 4, 3, 2, 1, encounter. Bim! Alors! Où il est notre Minmus? T'es là-bas, mon Minmus, très bien. Alors, on va se faire un nœud juste là, dans 7 minutes, ça me paraît pas mal. On va augmenter. Et il me fait, encore une fois, Nawak. Elle est toute mignonne, regarde-moi ça, elle est toute petite en fait. C'est tout minuscule. Minmus, c'est tout petit. Bref, alors attends. Pas que je fasse de la merde. Alors là, on va se crasher si je fais ça. Donc il va falloir faire ça en deux temps. Il n'y a pas de problème. On va mettre ici 30 km. Pourquoi? Bah comme ça, on a déjà notre premier truc de torcher, si tu vois ce que je veux dire. Notre première séance de torcher. 33, non. 23, un petit peu trop peut-être. 25, c'est mieux. 26, c'est mieux. 27,
Ah non, pas tout à fait. 28, c'est très bien. Donc on va se diriger ici. J'ai 37 secondes à burn quand même. Alors c'est pas beaucoup. Ouais, bah tout de même. Ouais, tout de même. Alors on va y aller à 19. Ça paraît bien. Je pense. Et on en est où de la vidéo? 36 minutes. Ok, alors ce qu'on va faire dans cet épisode, les amis, c'est qu'on va se faire l'orbite. Voilà. On va se faire une orbite propre. On va commencer notre science. Et le retour à la maison se fera dans le prochain épisode. Voilà. J'ai prévenu, c'est-à-dire que demain vous avez la suite. Peut-être pas demain, je ne sais pas encore. Comme dit, je fais des épisodes aujourd'hui. J'avais envie de jouer à KSP, voilà. J'ai fait tous les épisodes que vous avez déjà vus, plus celui-là aujourd'hui, plus probablement celui de X, le prochain quoi, en même temps, et je ne sais absolument pas quand je vais les poster. Je vais essayer encore de les traiter ce soir avant d'aller me coucher. Je pense que je vais être défoncé demain au taf. C'est pas grave, je m'en fous. Ça me fait plaisir, je suis content, ok. Et voilà quoi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous les proposer, comment, machin. Et honnêtement, entre nous, j'espère que ça vous plaît. Moi, je suis en train de taper un gros kiff. Je sais pas pourquoi, mais ce jeu, ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de le tâter de nouveau. Et je suis super content. Voilà. Voilà. Je suis content. J'aime bien. Ça m'éclate. Et encore, on est au début, les amis. C'est ça qui est bien. C'est qu'on va vraiment évoluer. J'ai vraiment envie d'évoluer dans le jeu. Donc, c'est cool. Je suis assez content. Voilà, bref, peu importe, c'était mon petit bout de ma vie, comme ça, c'était pas important. Mais c'était toujours bien de le citer, peu importe. On en est où? Qu'est-ce que j'ai mis comme alarme, moi? Je sais plus, mais je pense que je me fais confiance, allez. On avait dit combien? 19. 19 secondes. Ouais, c'est bien de te faire confiance à ça, des fois. 25 secondes, regarde-moi ça, c'est parfait. Hop, on est bien centré, nice kiki. Go. Vas-y, burn, 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 burn. Et on freine, en fait. Nous sommes en plein frein, voyez-vous. Ok, ok, c'est très bien. Alors, on aurait pu faire ça visuellement, histoire de voir quelque chose, parce que c'est vrai que voir trop de courbes, trop de machins, trop de trucs, c'est peut-être un poil chiant, peut-être. Je dois avouer, mais en même temps, c'est technique, remarquez. Hein, on apprend plein de choses tout de même. Et j'en apprends moi aussi. Valide, assaut, valide. 22. Oh putain. On va être assez proche là, je pense. Bon, très bien. On va se mettre un autre point de manœuvre ici, qui est dans un jour. Ça va très bien. Et on va se refermer notre superbe cercle. On va encore burn. On va burn 2 secondes, c'est ridicule. Rappelle-moi dans mon notepad là. La vraie. Minmus, 30 km. Ou supérieur. Ok. Oui, c'est vrai. Puisque oui, c'est vrai. 30 km. J'ai oublié. Oui, parce que j'ai une mémoire de merde. Oh, vous le savez, vous le savez. On va quand même se mettre... ouais, 85, ça me paraît bien. Non? Un peu moins? 75. C'est très bien, ça. C'est très bien. C'est très bien. On a 5 secondes de burn. Ouais, ça va. C'est easy peasy. Et pourquoi ce truc-là, il est un peu là, comme ça, la bougette, là? C'est pas trop. Bon, on va dire que... J'estime plus ou moins que le centre est ici. On va dire que c'est bon, j'en sais foutre rien. Le machin, il a vraiment la tremblote là, je sais pas trop pourquoi. On va dire que c'est plus ou moins bon. Bien, on va passer en mode joli. Au niveau du fuel... Oh. Si on veut faire le tour du monde, je pense que c'est faisable. Sans jeu de mots. Bref, peu importe. Ok, on va cramer pendant 5 secondes. Donc on va se mettre une alarme à 6 secondes. Add alarme, vamos. Parapapapapa. Donc à 2 secondes et demi, je lance. Bueno. Ouais, close alarme. Allez, go. Je sais pas si c'était... Oh ! Orbite, mon pote ! On va aller voir à quoi ça ressemble. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, on est à 80. J'avais 75 à la base. Ça va, ça va, ça va. Ok, c'est super nice. Regardez-moi cette magnifique planète, Camille Mus. Eh, c'est super cool, quand même.
C'est, moi je trouve ça vraiment la classe. C'est vraiment top ici. Non, c'est pas beau, hein, sans déconner. C'est quoi ça là-bas au fond? Je saurais pas dire. Non, je saurais pas dire. Peu importe, on s'en fout. Nous on est là. Oh mon dieu, je suis en train de perdre ma voix. Nous on est là, on est super content. Bien. Alors la science, je ferai également dans le prochain épisode. Là en tout cas, on est bien, on peut rester là pendant des années, ça posera pas de problème. JBDIA, il est super content, regarde-le. C'est super cool. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et bah les amis, dans le prochain épisode, on se fera un max de science, j'espère, avec notre nouveau device là, plus un EVA, plus les goûts, plus tout. Et on transmettra un max d'informations pour faire tout en une seule fois. Les amis, c'est ici que je vous laisse pour cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. La suite, bien entendu, et le retour sur Kerbin, je l'espère, mais normalement ça devrait le faire, dans le prochain épisode, et on va ramener toute cette science à la maison et continuer les aventures sur Kerbal Space Program. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.